تابعونا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك اخر المستجدات. السلام مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم كل فوت معكم تال 10 الليل اليوم باقي 48 ساعه على اول مباراه وديه في عهد وليد الركراكي الناخب الوطني وغتكون ضد تشيلي. موضوع ديال المنتخب الوطني غنطرقوا له طيله هذا الحلقه من خلال مراسلة في الرفاعي. تدخل ديال كل من حكيم زياش وعبد الصمد زلزولي اللي بداوا الراي ديالهم في الموقع ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم غيكون عندنا ضيف عبد الاله صابر اللي كان ضيف على برنامج المريخ الرياضي ديال هشام جدران الاطار الوطني المقيم بقطر المتواجد حاليا في ارض الوطن وابتداء من 9 ديال الليل غادي نكونوا مع صحفي من دوله تشيلي من سانتياغو دي تشيلي سميتو خورخي بيلوتاسو غنتكلموا على المنتخب التشيلي وعلى الاستعدادات ديالو لمواجهه المغرب الكلام على المنتخب الاولمبي اللي غدا لعب ابتداء من ستونز العشية بملعب الامير مولاي عبد الله امام منتخب السنغال حسين عموته عم بلال الخنوس سفيان من جديده عطاو الراي ديالهم على هذه المواجهه وعلى التربص الاعدادي غنتكلموا على لا نيشنز ليغ غنعطيو نتائج لا تشامبيونز ليغ فيمينين اوروبيان وواش اخباركم محمد بوتوزاز في مواجهه موساندا بوتوزاز السلام عليكم مرحبا بك مرحبا امين ادخل الحمام ماشي بحال خروج ياك <applause> مرحبا موسى ندا امين بونسوار بوتو بونسوار سلاخ اي لي زوديتور دي راديو <applause> مارس رئيس فريق الرجاء البيضاوي انهى المهام ديال اللجنه التقنيه اللي كانت مكونه من هلال طير وعبد الاله فهمي في نفس الوقت فوزي البنزرتي قدم شكل رسمي الاستقاله ديالو Qu'est-ce que de est-ce que le Oui Amin. Au grand mot, les grands remèdes Je ne sais pas si c'est au grand mot les grands remèdes. Ce qui est sûr, c'est que voilà c'était dans l'air. Maintenant c'est officiel, c'est fini entre Benzarti et le Raja. Maintenant, voilà les plus avertis savent que... Avec les recrutements qu'a effectué le Raja, il connaît sans ce n'est pas quelqu'un, en tout cas, qui, qui va prendre le temps de, de former des joueurs et de les apprendre. Lui, on le connaît tous, c'est un entraîneur qui est là, comme on en a parlé hier, euh, prêt à l'emploi avec des joueurs aguerris, avec des joueurs expérimentés et tout. Et là, il, il amène sa touche pour, euh, pour pouvoir aller chercher des titres. Donc, euh, que le Raja. Va très mal par rapport au premier match, c'était prévisible. Quand on change une équipe où il y a 14 joueurs qui sont partis, qui, qui, qui viennent, avec des leaders de l'équipe euh, qui sont pratiquement tous partis, que ce soit au milieu de terrain et en attaque, c'est clair que la mayonnaise, elle ne peut pas prendre le football, ce n'est pas de la magie. il, voilà, il parle pas de du... la mayonnaise sur le plan technique. Mais bien mais sûr, mais à tous les niveaux. Mais tu peux Justement, pas. Euh, quand tu vois Nao, on met fin, oh, Aziz Badraoui met fin. Aux fonctions du directeur sportif et l'alter, du directeur technique responsable des jeunes et la FMI, qui constitue la fameuse euh, euh, commission technique ou qui était considérée comme les conseillers techniques du président. Est-ce que c'est un désaveu pour ces deux hommes? Est-ce qu'ils payent les mauvais résultats du début de saison? Le casting peut-être raté des joueurs et de l'entraîneur? Est-ce qu est -ce que ce ne sont pas les boucs émissaires idéaux? Ben, s'ils sont liés au recrutement de l'entraîneur et des joueurs, c'est clair qu'ils doivent partir. Ça, c'est une certitude. Si l'entraîneur part, et si c'est si, si la direction technique, si c'est eux qui sont, qui ont amené ces joueurs, donc, et que ça ne marche pas, donc, ouais, les premiers à payer les pots cassés, c'est ceux qui ont amené l'entraîneur et ceux qui ont amené les joueurs. Ça, ça va de pair avec le football. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Donc, si c'est sur le plan technique, si c'est eux qui ont fait les recrutements, c'est sûr. Il y a, pour ça, il n'y a aucun problème. C'est pas possible. Autrement, à quoi ils servent là-bas? Ils ont servi, c'est eux qui ont amené les joueurs. Donc, euh, si c'est eux qui, qui ont amené les joueurs et qui ont amené l'entraîneur, donc s'il y a séparation, aussi si l'entraîneur part, ceux qui ont amené les joueurs aussi doivent partir. Ça, c'est normal des choses. Maintenant, est-ce qu'ils sont liés à la venue de ces joueurs Ça, c'est une autre histoire, parce qu'ici on entend beaucoup plus les, les présidents qui recrutent que euh, voilà que, que les techniciens. Donc euh, voilà. Donc en tout cas tous on va dire voilà tout, donc tout ce qui se passe au raja aussi ça vient de ça mais comme j'ai dit tantôt Amin tu le sais si bien tu ne peux pas euh, l'équipe du raja que, que tu avais l'année dernière tu, tu avais un, 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 au milieu de terrain un Singoma, tu avais l'autre qui est parti en arabie saoudite tu avais Mathioli tu avais Wardi, Wardi tu oui. avais Smithou Amin

ويقدروا ينفعوا الرجاء البيضاوي تكون واحد التغيير ولكن اون آه. مش سور ماشي هذاك التغيير ديال 15 لاعب آه. اللي اليوم كيبين انه الفريق غير متجانس لحد الان فوالا هنا آه امين نقدروا نطرحوا سؤال عاوتاني هو شكون جاب البنزرتي شكون يعني تعاقد مع البنزرتي البنزرتي كنا شفنا بانه شكون اللي مشى مشى شال للبدراوي مشى لتونس وجلس معاه وتعاقد معاه صافي هو اللي هو اللي جابه اللي غيتحمل المسؤوليه ديالو هنا السؤال كما قال موسى اللجنه التقنيه شنو الدور ديالها واش هي اللي جابت هذه اللعابه؟ البنزرتي يتبرا من ريكروتمون اللعابه قال أنا, جيت لقيت لعابه ولكن بلاتي يتبرا شكون اللي جابهم؟ واش اللجنه التقنيه ولا, ولا, ولا البريزيدون حتي الا كان البريزيدون دي كيدير كل شيء لانه شفناه مشات تي في طنجه مشات تي في اي بلاصه هو اللي تيمشي تي نيغوسي ولكن شكون اللي تيقول لي هذا اللعاب مزيان وهذا اللعاب ما مزيانش لانه دابا كما قلتي صيفط عيال الطير أه وفهمي وفهمي يلا ثلاثه ديال الدورات صادق بانه هو حكم على الخدمه ديالهم يلا يلا قلنا بسم الله ثلاثه الدورات <applause> حكم على الخدمه ديالهم قال لهم خويا ما تصلحوش ليه وغتمشيو في حالكم هنا امين غنهضروا على واحد النوع من التخبط رئيس الجديد ديال فريق الرجاء يعني واحد النوع من التخبط مازال ما, ما, تعلمش الحرفه ما... مازال ما شربش الحرفه ديال الكره ما عرفش اش بغى ما عرفتش اش بغى هو بغى يدير كل شيء بغى يفرح الجماهير لانه قال في الاول بغى يفرح الجمهور والنية النيه كاينه انه بغى يفرح الجمهور, الجمهور الرجاء بغى يسترجع الامجاد بغى يدير شي. Voilà. ما... D... Ma... Ma... Oh, oh, oui, Amin, parce qu'il est allé ah. trop vite en Bosnie. On ne Une équipe de football, Amin, tu le sais si bien que, que nous. Une équipe de football, ça demande du temps. Ça, c'est une certitude. Donc tu ne peux pas, d'une baguette magique... خيد كلشي جيب وابري تي من 14 جوار قول يا وي وما عطيتيه ما موسى عطيتيه من المدرب اللي ما تيتعاملش مع اكزاكتومون ما تيتعاملش مع اللعابه اللي يلاه هو تيتعامل مع اللعاب الجاهز اكزاكتومون بالضبط شفناه كي... شفناه مع الوداد <applause> <جفناه. تصفيق> انا كنقول لهم انا قلتها الصباح وسيغتان مون بنزرتي دي بن زرتي خاصو كلي اون مان ولكن البروبليم هو لو كاستينغ شكون اللي اختار بن فوالا شكون اللي تحمل يقدر شوف نقدر نقول واحد الحاجه السلب ضربه ما في الكره دي باك في الفوتبول دونك الا دي دوموندي لواحد من الـ جو بريزوي من كان ما عنديش اليقين ما عنديش المعلومه صحيحه ولكن كنخمن امين آه كنقول كاين حداه آه. نورمال ما شخص يكون امين حداه بوشروان شخص حداه آه فامي غيكون سولهم شكون هو المدرب اللي عنده لو بلوس دو تيتر شكون انا جو فو المدرب اللي عنده اللي غيضمن لي لو تيتر له بنزرتي جا المغرب دار البطوله مع الوداد ثلاث جوج مرات دونك البنزرتي فوالا سي لا بون افير هو مشى بل... بهذ هذه ما قالوش لي هنا البنزرتي هل الكاليتي ها لي ديفو وقبل منها امين قبل منها لانه بارمي الحواج الحوايج اللي خلاو البنزرتي يمشي هو هذيك المساله ديال استاد الماتشات قال لك اخويا انا راه ما يمكنش لي انا غادي نجري واحد الفرقه وانا ما غنجلش في البونتوش ساد الماتشات ولا جوان ديالو توا ان بالو باش يجلس في, في, في البونتوش كيما قال إيه لنا جورنال عدل عدل البارح بمعنى البنزارتي تيقرا الفيلم ثلاثه الماتشات جاب النقاط نقاط باقي ليه ثلاثه الماتشات اخرين شاف بانه راه ما يمكنش غتهرب ليه غتمشي لي على الاقل غتمشي ليه بزاف نقاط النقاط بمعنى تيتر البنزرتي ليه واحد المدرب اللي تيلعب باش يربح واحد المدرب اللي خصك تعطيه اللاعب الجاهز باش يربح به كما قلت امين في الاول يعني كان واحد الارتباك على مستوى التعاقد مع المدرب وهذه يا الرئيس لانه هو اللي مشى هو اللي مشى نيغوسيا معاه هو اللي جابوه دابا كاين الارتباك دابا الخطيره امين وباقي الارتباك صيفطتي لجنه تقنيه ياك وبغيتي تجيب مدرب اخر مدرب اخر ما عنده لا بليبار ديال الجمهور دراجه بحال ما ما باغ بحال ما باغينوش هنا دابا هنا السؤال واش انت مقتنع بهذا المدرب ولا مقتنع الشعبيه واش جبتي علاش شنو هما لي كريتير علاش جبتي هذا المدرب هذا اللي جا دابا التونسي الكبير واش هو Boh, يعني, rama, ça trendy, rameen. Rameen. Tu as tu as beau amener qui tu veux, le, il ne peut pas faire de miracle. Avec une, équipe, avec une équipe nouvelle. Par exemple, Amin, euh, la venue de Benzarti pouvait être une très bonne chose si l'équipe avait gardé les 80% des l'ossature. Mais, 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 mais bien sûr, Amin, où tu te renforces avec des et deux tu as un leader comme Metoui qui aurait pu rester, même si Tu as besoin de leader. Bien sûr, on a besoin de leader. qui gars des qui tabla, les gars roues, les gars de Maghreb, les gars Wardi, c'est le contrat mais, de Fatih Mais bien ouais. sûr, uh, Boutou, on en a parlé, que ce soit Wardi, que ce soit Ngoma, Metsouali. L'équipe, Benzarti pouvait venir en trouvant une équipe qui est déjà à 80%. L'équipe, elle a gagné le derby, elle a menacé Louis d'un moment là même pris ben ouais, l'ascendant, elle a joué le quart de finale. de la Coupe d'Afrique, aucun team qui l'ait éliminé. Mais je suis cool à Riba. Je suis bien sur le Blacks. Blacks. Donc Je... il fallait juste se renforcer avec des, des voilà un buteur, des attaquants de qualité, euh, un défenseur derrière aussi et tout. Un latéral droit peut-être. Exactement. Donc les, renforce... les renforcements, les voilà. renforcements, ça devait être quatre ou cinq joueurs mm. et repartir peut-être avec Benzarti ou avec son expérience et tout. Les joueurs qui sont là se connaissent, continuent avec l'ADN du Raja et tout et peut avoir des résultats. Mais quand tu amènes 14 nouveaux joueurs mm. qui découvrent l'environnement, maximum quarante mille, oui. cinquante mille spectateurs, Amin. Amen. I le football, c'est pas de la magie. Tu peux pas d'une baguette magique amener 14 joueurs. Je, ouais. voilà je, je, je prends oh, l'exemple ah. de Barcelone. Le Barcelone a vendu ah. du patrimoine pour acheter des, des joueurs. Oui. oui, mais ils ont amené qui Six. Mais où Six. Mais, mais pas qui Plus. Oui, ah. les six. Mais ils qui ont ciblé. Mais, mais qui ciblé. Oui, ciblé. Rafinha, Lewandowski, Kessier, cibli, Christensen, cibli, cibli. Marcos Alonso, Alexis Ciblé. Cibli. Oui, mais des joueurs de qualité. Il t'amène Lewandowski qui n'a plus rien à démontrer par rapport à ses 40 sure. buteurs. Tu amènes qualité. Rafinha qui a été très très fort avec Leeds bien avant avec avec Rennes et tout. Tu amènes Koundé défenseur de de, de Séville. تريت فور انترناسيونال فور ايميل لاكس سي انا بغيت نرجع واحد المساله دابا 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 شنو الخراصه مثلا شنو الاستنتاج اللي غنستنتجوه من ان البضراوي رئيس فريق الرجاء البيضاوي حيد اللجنه التقنيه اللي فيها فهمي و وطير شنو زعما قال لهم راه هادشي الخدمه ديال زمان زعما هادشي غنفهم انا بمعنى انهم هما اللي جابوا هاد اللعابه هما اللي قالوا لي جيب البنزرتي Ou dans le cas des la Daura, c'est-à-dire que si je mets un 6-gallon à la machine, je ne sais pas si je vais me débrouiller. Absolument. Je C'est sais pas si je conclusion. Tu as raison, Bourdouzaz. Parce que autrement, le limosage ne s'explique pas. S'ils sont liés par rapport au recrutement, oui. Il dans le cas de la Daura, c'est-à-dire que Moi, j'ai l'impression qu'ils sont liés au recrutement, en particulier celui qui était nommé directeur sportif, les Ouai et les Donc, à un moment ou à un autre...

تخدم <تحدثني> الفرقه تخدم الكول تخدم افيكي <تحدثني> وخدم افيكي تخدم الكوليكتيف كي. كي. <تحدثني> وامين افيكي <عوي> ماتش بار ماتش ونمشي فين هو الانترينير امين امين فين هو الانترينير شوف <تصفح> خدم افيكي فين هو الانترينير <تصفح> كان هو الانترينير يصبروا على البنزرتي والبنزرتي يصبر على الراجل فين هو فين هو البنزرتي البنزرتي سايس هنا تورني لاباج لاباتري 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 D'abord, il, euh... il faut désigner un nouvel entraîneur. Ouais. Oui, il faut qu'il pas... connaisse les joueurs. <laughs> ben oui. faut qu il faut que Boucherouane assure la transition. باسكو سي لوي لادجوان شكون طيب اللي ديزيني هاد لونترينور الجديد؟ هو مدير كبير راه كاين كي هنا دونك راه نورمالمون بمعنى الرئيس اللي جابو عوتاني باش نبقاو باش نبقاو عوتاني شوف انت اللي بنزرتي غلطتي فيه ها انت دابا جايب مدرب اخر واش ما ان الرجاء والوداد في لاجستيون دي كلوب سي ان ريجيم بريزيدونسيال نظام رئاسي بمعنى الرئيس في تو راه بحال جميع الانديه الرجاء راه الاختلاف امين في الوداد الرئيس كيدير كل شيء لا ماشي غير في الوداد في كل شيء غير الاختلاف شنو كيكون هو انه المسير ولا الرئيس الناجح اللي شو اللي ذكي شويه اش كيدير كيدور بواحد ثلاثه ولا اربعه ديال لي زونسيان جوور ديال الفرقه كيفهموا في, في التكنيك كيفهموا مزيان وكيثيق فيهم و... حيت كاين اللي غاي... اللي غيخرج عليك وكاين اللي غيقدموك هذا اللي غيقدموك امين توت الير تو بارلي دو ريكريتمون لبرشلونه كيس كي سي باسي ايزون فيو كو دون ليف ديفونس ايزون دي بروبليم اون فا الي شيرشي كوندي

Oui, parce, a que que pas de, de, parce que c'est parce qu'il a pas de ah, a pas de travail il a rien parce que c'est à la dernière minute mais s'il y avait un travail de, un bon forme qui, On qui a une commission rapport rapport avant je rapport il nous faut en arrière central arrière droit deux milieux de terrain deux attaquants

ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on qu ne respecte pas film, bah, ouais, le un respect. président tu le préside, le un entraîneur entraîne, ah, tu le les joueurs bien. jouent. Le président qui drôle la négociation, laquelle, sur la base d'un rapport qui fait par une direction sportive. Mm. Qui donne les rapports, qui a les, qui a je ne m'imagine pas de dirigeant de football. Allez, je parce que je ne suis pas fait pour ça, mais si, allez, dans si. le meilleur des mondes, dans un monde idéal, je suis président du de... club de mon... de mon quartier, de <laughs> elle dit est... Une équipe qui... qui est un peu boiteuse, qui ne marche pas. À la fin de la saison, j'ai deux ou trois anciens qui sont calés sur le domaine technique. Angolo, vous me faites un rapport. Technique. Bilan, joueur par joueur. Qualité, défaut du joueur Et puis Quels sont les, les joueurs remplaçables Et quels sont les profils Mettez-moi trois noms par, par poste <t 'en> Les profils à contacter pour pouvoir Remplacer les joueurs Qui vont partir Et c'est comme ça qu'on travaille <t 'en> Et ça, c'est le le Qui coura, qui سي <متحدث> انتوري دو ال... دو جون دو بيرسون اللي كانوا كيفهموا في الكره ومازال كيفهموا في الكره وغيبقاو يفهموا في الكره ولكن يمكن لو دياغنوستيك ديالهم او العمل اللي قدموه اعتبروا الرئيس بانه غير كافي <متحدث> لمساعده فريق الرجاء هذا راه ما كينقصش من الامكانيات ديالهم <متحدث> ولكن غاية, غاية امين كتجي شويه ناقصه ثلاثه الدورات كطير كل شيء كدير دابا <متحدث> <ده بقى لابشنة> نمشينا <applause> بهذا الريتم هذا الرجاء غدير <متحدث> 10 ديال المدربين هكا <دا>؟ حنتي <متحدث> حنت الا ما كانش داك الشيء الا ما كانش داك الشيء مقنن دابا نعطيك دابا دابا عنده تحدي ما نقول تحدي هو انه يجيب مدرب مزيان راه الا مشى عاوتاني بنفس الطريقه اللي بنفس لافوت اللي دار مع البنزرتي وجاب مدرب عاوتاني مع دابا انت جبتي هذا الكبير هذا واش واش بناء على شي تقارير بناء على شي حاجه شي متابعه ولا حكا مشى البنزرتي اجي نجيبوا الكبير اجي ماشي بهذه الطريقه الكبير ودزنا ودابا فرسك مفارقه أه كي دي موا كيل ليكيب Je te dirai quel profil d'entraîneur ouais. tu dois avoir. Voilà. Dis-moi quel style de jeu tu veux avoir. Je styles styles de jeu. Je te dirai quel entraîneur te correspond. C'est un arf. Style de jeu. De que titre. palmarès. Un maréchal. Tu connais les maréchaux. Mm -hmm. uh, il a plein de décorations. À mm -hmm. quelqu'un qui n'a qu'un trophée dans son palmarès. Ah, même, Amin, connaissant un peu l'exigence du public de Rage. Ah, le public de veut un entraîneur bardé de titres, expérimenté, opérationnel. Ouais, ouais, il il Amin. À... ça ça, ça ouais. c'est du suite même parce que le problème tu peux avoir un jeune entraîneur qui n'a sur Garrido ah, et Garrido ah, mais là, a dit si... non. la qualité, la qualité première d'une équipe, c'est les joueurs d'abord. il y a des entraîneurs qui n'ont jamais rien gagné qui trouvent une équipe qui est prête وكي كيغوا مع الفلسفه ديال الفريق اييه انا ماشي بغيت نقول لك انا هو هو لو بوبليك دابا 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 راه لا لا ما بغيناش هذا بغينا بغينا مدرب عالي قال لك حنا بغينا مدرب كبر من هذا راه دابا راه كاين مشكل واش فهمتي دابا هنا السؤال شنو هو الا كنت انت كبدراوي ولا كان لجنه التقنيه ديالك جبتوا هذا المدرب بناء معطيات على معطيات ديكريتير على هذا على هذا ومقتنعين به راه خصكم تشبتوا بهذا المدرب تبقى تحافظوا عليه تشدوا فيه الا إيه داكشي عندكم غا جبتو غا هكاك وقال لكم الجمهور ما بغيناش كانوا لي الا كانوا لي باج لا بلاتي لي باج, ولي, باج ولي الا كانوا لي باج هما اللي كيتحكموا في لي كلوب قرا الفاتحه

مهدي بوكاسي ااا يسري لي لي تخواز ألجيريان مازال ما شفنهمش بو 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 بوزو ااا يوسف الحويزي من الواف عبد الحي فرسي ديال الساكا وهذا لعاب مزيان حمزه خابا اللي اللي كان حمزه مجاهد جابوه من ليفار وليد الصبار جا من الامارات كنعرفوه بنغيت ولي الصبار سي غوتور للرجا سي غوتور بلس بيتر بي بيتر ويلسون ولكن الا قارنا هادو راه بلس اكسيل ماي بلس اكسيل ماي واش دابا هادو ما مزيانينش موسى هاد اللعبة اللي قلت لا ولكن الاشكاليه الاشكاليه شنو هي دابا اسمعني مزيان تقدر آه. تكون عندك القيجيه المخيرين هو آه. المخيرين جيل آه. يقدروا <applause> ما يديروش كان بون اوركستر وخصك مونترينر ولا يقاد لك <applause> ايوا <applause> لونتري اجي جي كتمشي للمارشي كتمشي للمارشي ياك كتاخذ بطاطا مزيانه مطيشه مزيانه البصله مزيانه باش ياك كتمشي للكوزينه كدير لي ها, سميتو القوام ديال كل حاجه وكت وكت وكتوجد وكت 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 لا غوسيت ياك ملي كتوجد ديك لا غوسيت ياك اما انت كتعرف دير المقادير مزيان وكتكون ان بون كويزيني سوا اميم هذيك لي برودوي سوغ لو مارشي راه بنزرتي مو كويزيني طواجن إيوة <applause> زوينين <applause> دونك اما بنزرتي كيخرج طواجن طواجن مزيانين وهذاك لي كونتيتي وداك الشيء ما نافعينوش واما بنزرتي ما عارفش يتعامل مع دوك لي كونتيتي ولا مع دوك لي برودوي 20 غير 22 مينوت المهم الكره معلقه والاخبار ديال الرجاء مستمره لانه كنظن ان في هذا فيفا الاخبار غادي تبقى مسترسله بخصوص الانديه الوطنيه où euh, il yani, euh, ah. y a une... 20h22, l'équipe nationale, au et aujourd'hui, il y une petite opposition contre l'équipe de Madagascar. Est-ce qu'on peut parler d'opposition, de match test, ou d'entraînement de, ah, D'entraînement, C'est sûr, avec des séances de 2, 3 fois 30 minutes, ou, le, ou bien 2 fois 45, c'est sûr, c'est beaucoup plus de... C'est beaucoup plus un match de thèse pour avoir une, une petite idée par rapport à l'équipe ou une petite mise en place. Donc, euh, sûrement, ça s'est joué avec trois mi-temps de 30 ou, ou comme ça pour essayer. Alors, quelle est une y a une formation qui a été dévoilée euh, Je ne sais pas où Shadow ce qu'il y de Chili. Ou là, il va tester d'autres joueurs. Mounir Mohamed est dans les buts. À droite, euh, Moufi. À gauche, Aboukhlel. Tiens, C'est une surprise. Bon Comme à Toulouse, il peut dépanner à ce poste-là. Dans l'axe, Yamiq et Benoun, ça nous rappelle... C'est lavant Le Les joueurs polyvalents de Toulouse, les liés de Toulouse, etc. Les liés arrière-gauche Ils l'ont fait jouer arrière-gauche à Toulouse. Au milieu de terrain, Sabiri Chahir Amlah. Et devant, Chdira, Haddadi, Zelzouli Et pour l'instant, le score est de 1-0. But de Walid Chdira. On va passer à Nafaa Rifai, de Madine Tarribat, pour qu'il nous donne les nouvelles de l'équipe. Bonsoir, Nafaa. مساء الخير صديق امين بيروك ومرحبا بضيوف ديالك وكل المستمعين الكرام اللي كيستمعوا لنا الان كيف تكلمتي هذه التشكيله اللي لعب بها من خلال المصادر الموثوقه يعني اللي كيجرب فيها وليد الركراكي كيف قلتي بعد الاسماء فندوزوا الاخبار الاخرى احنا كنعرفوا المنتخب يعني داخل من نهار اثنين هنا في الرباط وكيف كنقدموا دائما للمستمعين الجديد دي المنتخب الوطني فهو كيواصل التدريب ديالو كنعرفوا بعض الاسماء اللي كانت التحقت هي اخر واحد مثلا بحال اللاعب حكيم زياش فالجروب ولله الحمد يعني كيواصلوا التدريب ديالهم اليوم كان جوج حصص تدريبيه آه الهدف ديما هو باش يكون الانسجام تبقى لان حافظ على اللياقه البدنيه للمجموعه من الاسماء وكذلك يعني كان الجانب التكتيكي والتقني هما اللي كانوا في هذه الحصص التدريبيه ديال اليوم اللي كانت كتعرف الحضور ديال من الاسماء باستثناء اللاعبين المصابين البارح يعني كيف شرنا كانت كذلك حصص تدريبيه كانت مخصصه كذلك الجانب التكتيكي والتقني ويعني وكانت عرفت الحضور ديال باقي الاسماء باستثناء اللاعبين المصابين اللي كان كيف اكد الطبيب المنتخب المغربي هيفتي على ان الحاله ديالهم يعني مستقره وما كتدعوش للقلق ولكن كاين مجهودات كبيره ديالهم باش انهم يكونوا جاهزين ان شاء الله حنا كنعرفوا الاستعداد بالنسبه للمستمعين إلتحقوا بنا الآن هو الاستعداد ديال المباراتين الوديتين اللي هيكونوا يعني امام منتخب تشيلي نهار الجمعه ان شاء الله بمدينه برشلونه وكذلك مع منتخب الباراغواي نهار الثلاث الجاي ان شاء الله يعني اللي كيصادف 27 من هذا الشهر الجاري بمدينه اشبيليه وحنا كنعرفوا كان وليد راكراكي وجه الدعوه ل 31 اسم وحنا كنعرفوا كاين اسماء اللي هي اول مره يعني ولكن كيبان بانه من خلال المصادر بانه كيبان انسجام حصل بسرعه في ظل يعني الظروف وكذلك يعني حتى التجربه اللي عند وليد الركراكي ولا الطاقم ديالو كيفاش انهم يبنيوا منتخب كيفاش انه يكون التواصل يعني لان هذا هو الاهم بالنسبه للطاقم التقني مع اللاعبين يعني كتبان الاجواء داخل المنتخب انها مزيانه وانه المنتخب المغربي يعني غدا ان شاء الله ياخذ الطائره يعني هنا من الرباط في اتجاه مدينه برشلونه الإسبانية على اساس انه كيف يلعب ان شاء الله نهار الجمعه اول المباريات ديالهم بعد تكون عنده على حساب المتوقع الموثوقه بانهم بعد تكون عندهم جوج حصص تدريبيه وباش انه يلعب في مدينه اشبيليه لحد الان صديق امين حنا كنعرفوا كيف قلت لك يعني الظروف المتوفره اللي هي مزيانه بزاف هنا بمركز محمد السادس اللي كتخلي بان المنتخب ما كيحسوا حتى بشي حاجه الاجواء كلها متينزلوا في المطار كيتلاقاوهم الداخل كذلك لا من التغذيه لا من التطبيب لا من يعني كل كل الظروف يمكن ما كاين ما كاين حتى حاجه ناقصه يعني كتلقاها الموظفين الاطور ديال الجامعه اللي يعني كل شيء كيدير الخدمه ديالو والهدف واحد هو اننا المنتخب بيكون يعني مزيان ويفرح الجمهور والجمهور المغربي اللي متعطش ديما الأداء وكذلك النتائج ومنصه التتويج عموما اكتسب هذا القدر الصديق امين بيروك تفاصيل اخرى كالعاده بالنسبه للمستمعين انهم يتابعونا في البرامج الرياضيه وفي الموقع الالكتروني لراديو مارس في دائما في الجديد ديال المنتخب الوطني ولا الاخرى من بين منتخبات غدا ان شاء الله سنتابع معكم مع المستمع الكرام مباراه وديه كذلك بين منتخب الاولمبي اقل من 23 عام مع منتخب السنغال مباشره من المركب الرياضي الامير من عبد الصديق امين بيروك شكرا نفع الرفاعي نفع كي دير تيزينغ الراديو لا لا بيان سور الماتش اللي غندوزو في الراديو ولكن لنا كلام فيما بعد على المنتخب الوطني الاولمبي غنهضرو في مم... هذا الملف الكبير ديال المنتخب الاولمبي الاول المنتخب الاول اللي عرف العوده ديال الحاكم زياش وديال عبد الصمد زلزولي فنستمعوا للحكيم زياش اللي كيتكلم على العوده ديالو بداو بالقدامه بالقرايديه القرايديه حكيم I think it's two important games, uh, interesting games, because uh, I think they are the only one games we have with our head to the World Cup. So, uh, you know, it's uh, it's a really important game for us as a team to see uh, where we are now at the moment, and especially also with the new coach. So, there's new ideas and new stuff. So, um, you know, it's good for us to see how far we are. <laughs> I'm happy I'm back after a whole lot of, uh, you know, Uh, trouble and, and stuff, so I'm happy to be back and uh, ready to give everything. Happy to be back after bad stuff. Bino euh, Bin Moussa, Walid va devoir parler plus souvent en anglais que dans une autre langue. <laughs> ou a dit les entraîneurs de basket, je sais pas si tu as remarqué les entraîneurs de basket quand tu as des joueurs naturalisés, une sélection pas. ou fait un club, ils commencent par parler avec les nationaux, le temps mort nous allons faire telle stratégie. Après, il explique pendant 45 secondes à l'autre ce qu'il doit faire. J'ai l'impression qu'on va se tourner vers ce genre de choses. Il y l'équipe nationale, c'est la tour de Babel. Et Anglais, espagnol, etc. Que penses-tu du retour de Hakim Ziyech et de l'état d'esprit qu'il a démontré dans cette déclaration Ah ben c'est ça qui est important, son retour, on n'en parle même pas. C'est par, ben ouais, par rapport surtout à... Nouvel entraîneur, nouvelle mentalité Ben ouais, donc c'est par rapport surtout à à son état d'esprit. Mmh. Donc, c'est son retour, on, a, on, en a, on en a parlé de long en large, donc c'est dans quel état d'esprit il est. Voilà, est-ce qu'il est qu encore d'être là Donc, euh, donc voilà, c'est donc c'est à lui maintenant de jouer par rapport à Hakim Ziyech. La, la balle elle est plus dans le camp. Et, et Hakim il est tous ceux qui ont que les gens ont fait pour qu'il revienne. Et il n'est pas en position de force. qu'on a fait l'effort pour à, le faire revenir. À, à lui, à bien lui bien. de montrer. Et et de... Bah oui, qu'il est dans un bon état d'esprit, qu'il voilà que euh, c'est avec plaisir et joie qu'il revient. En tout cas, porter le maillot national et c'est à lui d'être dans de très bonnes dispositions, mais surtout. Bah, D'avoir en tout cas une, euh, une bonne mine, mais surtout aussi d'être positif par rapport à tout ce qui va se passer, par rapport à tout ce qu'il peut apporter à cette équipe nationale. En ce moment, le Kadelik, ma ma dit que les minutes du sont convoquées. On a fait des pieds et des mains pour le convaincre. Les Espagnols, il a dit que les Espagnols ont fait une tribune. Il a le match de Kinshasa avec le gazon artificiel, synthétique. Il est un peu blessé. Le match d'Arbeda il ne l'a même pas mis sur la feuille de match Aujourd'hui, il y a Ousasuna. Il peut jouer tous les matchs de Liga sauf deux. Mal les deux matchs contre son club formateur, qui de la clause C'est Absamad Zilzouli, Estoy contento de venir a la selección otra vez, de volver a ver a mis compañeros de aquí de la selección y bueno, nos estamos preparando para el Mundial y tenemos dos amistosos contra Chile y Paraguay y nada, estoy muy contento de volver aquí. Bueno, la Copa del Mundo nos ha tocado un grupo difícil, Croacia, Canadá y Bélgica y bueno, Marruecos también creo que, que es fuerte y tenemos muy buenos jugadores y muy buenos equipos y creo que podemos hacer... استجواب في شقين الشق الاول كيهضر على لي سونتيمون بيرسونيل ديالو يعني فرحان بالعوده ديالو للمنتخب والمنادات عليه من <متحدث> جديد ومن <تكلم> بعد هضر على الجروب ديال لاكوب دي موند <متحدث> اللي وصعي ولكن كيقول ان الجروب ديال المغرب فيه دو لا كاليتي دونك لي كونفيون بوتو كان تضرب بزاف ديال الاشياء من هذا اللاعب الشاب وخصو هو يبين خصو هو يبين لانه باقي ما شفناش كما قلتي امين شفناه في الليغا اه في لا ليغا ولكن مع المنتخب باقي ما شفناش باقي ما تعطاتوش الفرصه ديالو أه جا باش انه يبين المكان ديالو ما غتكونش ما تكونش سهل انه ياخذ البلاصه ديالو لينتزع الرسميه ديالو لانه دابا غتولي واحد المنافسه كبيره سيرتو كذلك مع العوده ديال حكيم زياش زياش راجع بواحد معنويات اخرى شفنا كيفاش انه عبر على السعاده ديالو بالعوده وبالرجوع باش انه يلعب للمنتخب الوطني المغربي وقال بانهم بعد ما تم اجتياز اوقات عصيبه فهو يعود مره اخرى للمغرب لا زياش لا زلزولي مطالبين باش انهم يعطيو الماكس اللي عندهم ما بقى والو الكوب دي موند أه جوج ماتشات مهمين امام جوج ديال ديال المنتخبات من العيار الثقيل لا تشيلي ولا أه الباراغواي فاعتقد بانه هاد جوج اللعاب هادو خصنا نشوفهم وخصنا نتبعوهم لأن يعني خصنا نعرفوا لي كاليتي ديالهم وسيرتو فراسك الاشكاليه سيكو في البوست زلزولي كيعفل عليك Oui. le poste délié ou le poste qui fait la plus de, le plus de concurrence l'équipe du Maroc entre Bouchlel, ou Zilzouli ou Bouffel oui. ou tous ah. ah. les oui. Donc pour aller à la Coupe du Monde, à ils vont parler Il va falloir d amil, d amil. montrer l'entraîneur ou le sélectionneur Même si c'est de Genève. L'équipe voilà. nationale y a pas de sentiment. On amène non. les meilleurs et les plus en forme. -il Ken, même s'ils peuvent avoir 10 éléments à droite ou à gauche. Non, mais je dis juste à pour les isoler pour, pour les autres, oui. ils savent que le challenge sur le, le poste d'yalo, ah. c'est un poste où il y a abondance de biens. <laughs> abondance de biens ne nuit nu, nu pas. L'essentiel est qu'il soit bon. Walid est un problème de richesse, à lui de le régler. Mais les joueurs, c'est à eux de convaincre Walid. Les joueurs, c'est sur le terrain. Ils doivent convaincre tout le monde. Des joueurs, comme tu disais tantôt, qui n'ont pas encore joué une minute avec l'équipe nationale. Donc, ils ont deux matchs, non oui. seulement pour se montrer, et ensuite avec leur club aussi, quand ils auront l'occasion de partir, pour montrer qu'ils sont dans une bonne forme, qu'ils voilà, qu peuvent apporter ce plus-là. Mais, mais la concurrence, elle a toujours existé, elle existera. Donc, à ces joueurs-là de, de savoir se mettre en évidence, d'être dans de bonnes dispositions. فوالا بور ميريتي دو بورتي موسى دابا قريب المونديال ما بزاف دابا غتولي ديك لا ديال بصح اللي دي اللي, اللي تنعرفو خلي دابا ديال عام ولا عامين <applause> لا 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 ما تغلط في هادي لا لا دا بل دا بل لا شتي كون كانت الكوب دي موند من هنا ست شهور عندك الهامش ديال الخطا الكوب دي موند عندها العام واحد الخصوصيه سبيسيال جايه في في الاول الموسم جايه في فتره الوطني التمتعين ديالو يعني ما عندوش باش يمشي لكوب دي مون لا شحال من دات فيفا عنده ابا ابار هذا هذه اخر دات أوه فيفا أوه يعني أوه. لا ليست غادي يديرها في الاخر ديال شهر اكتوبر في النص ديال شهر نوفمبر بمعنى خصك تبين عندك في النص النص ديال شهر نوفمبر خاصك تبين يا موسى خاصك تاع لعاب ديالك لا ماتش جوي كي, آه. لا خصك بعد الـ 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 كي لا كلوس لا الحاجه زلزولي كاين لا كلوز ديال لابور علاش قلت لكم لا كلوز لابور اي بي با جوي بارسا Eh ouais. Parce que le Barça Chose a exigé à le les joueurs qu'ils le prêtent à l'AM. Ouais, ah, ils jouent il joue pas dedans. contre eux. Mais il a oui, a... oui, même ici, ça se faisait à Ménissé. C'est pas très légal. Ah, ici, ça se faisait ça. à Ménissé. Oui, bah écoute, mais, mais c'est pas sont... légal. Mais bien sûr, c'est pas légal. Oui, c'est ouais, n'importe quoi. Aussi. Ça s'appelle la clause de la peur. Oui, parce qu'ils ont J'ai peur, peur. qu'un joueur Cadirac de mon équipe puisse marquer à l'AM. Il est en 2018. Madrid Aujourd'hui, chef, quand tu prêtes des joueurs.

Euh, c'est bien de parler avec Tissoudeli qui est blessé de longue date qui va rater la coupe du monde pour le remonter un peu le moral. Ah, on, pense, ouais. on pense au présent mais on pense aussi à ceux qui vont s'absenter ouais, pour 4 forces majeures et d'ailleurs on va faire l'effort pour essayer d'avoir Massina aussi, il faut hum. chercher à avoir Massina bah, ouais, pour pouvoir oui. avoir son avis euh, Abdelaziz Saber, l'ex-international, il dispute une coupe du monde en 98. اه كي هضرنا بيان سور كان ضيف ديال برنامج المريخ الرياضي هضرنا على لا, لا ليست ديال وليد الركراكي الايام اللي جايه هي الكفيله باش تقدر نشوف الايجابيات ديالها والسلبيات ديالها انا تنشوف الوقت بالتغيير التغيير فهو جا مع الطلب ديال الجمهور وهذا اللي ساعد على ان الجامعه على انها تاخذ هذا القرار هذا يعني الامور هذا الاحسن وتحنا كلاعبين قدماء ولا كجمهور لمسنا ان الفريق الوطني ما استقرش على واحد التشكيله وحنا ما عارفينش شنو هي التشكيله والامور دازوا منا لعابه بزاف حتى من حيث سيستيم دو ما عرفناش اصلا اذا التغيير بالنسبه لنا قبل ما نصدقوا الاحداث فهو ايجابي رغم ان ما نحبش تكون تغييرات في هذا الوقت هذا ولكن الضروره خلاتنا باش نقوموا بالتغيير بالنسبه لي انا وليد تعرف بان ما غاديش يبعد على واحد الاطار ديال اللاعبين اللي هما كانوا تيستدعوا قبل وما يدير واحد التغييرات اللي هي تكون كبيره اذا لاحظنا هذا جليا في اللائحه المنادات عليها على بعض التغييرات اللي كانت منها منادات لاعبين اللي ما كانش الكل تيترقب بان الاستدعاء ديالهم الهند Abdel El Asabir, il a Toute la légitimité pour parler l'équipe nationale. Lui, il a vécu une Coupe du Monde, il a vécu trois Cannes. Donc, il sait un peu ce que ou la deux Cannes. Il sait un peu ce que c'est que être dans une liste, préparer une Coupe du Monde et surtout. Ah, le timing aussi. Le, le timing d'une Coupe du, du Monde. Temps. Le timing, il parle aussi du temps. Surtout qu'à Walid, par rapport à l'équipe, il, il dit qu'il n'y aura pas beaucoup de bouleversements. Ça, c'est une certitude. Donc, voilà, ouais, légitime par rapport à son, son passé, celui de présent aussi, d'entraîneur et tout. Donc, des euh, joueurs qu'il connaisse aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr. On en avait parlé, que Walid n'a pas beaucoup de temps. Il peut, tu, peux, tu, as, tu, peux, tu vas changer quoi Tu ne vas pas bouleverser tout le groupe. Même ouais. <laughs> alors, un alors le... La à Saber qui te clame à l'analyse ce joueur, les Kenny de l'équipe nationale. جيل الافكار تتكون متقاربه تقريبا لا فيلوزوفي تاع ديال اللعب امور متقاربه بزاف جميع اللاعبين اللي يلعبوا الكره تتكون عندهم واحد نفس الفلسفه ديال الشوفه ديال اللاعبين وانا اللي تيحز في النفس ديالي هو ان بعض الاحيان كنسمع الناس اللي تيقول لك لاعبين الكره ما تيتوفقوش في المسار ديالهم كمدربين فهاد الناس هادو كلهم تيحاولوا يبعدوا الناس ديال الكره على الميدان اللي هو ديالهم وانا تنشوف بان الناس ديال الكره هما الاقرب وهما الناس اللي كيحسوا بالاحاسيس ديال اللاعبين داخل الملعب اكثر من الناس اللي ما الكره كيتكلم على تقارب السن بين الاعضاء ديال ستاف تكنيك اللي لعبوا في جيل واحد في المنتخب وفي الانديه ديالهم وكذلك ما كيش واحد الفريق كبير ديال السن بيناتهم مع اللاعبين كيعرفوا بعضياتهم مزيان وهذا هو الاهم لانه لعبوا مع بعضياتهم كانوا ديز زيكسبيريونس اللي دوزوها مع بعضياتهم اللي غادي تنفع في هذا في, في المنتخب أه الاهم امين هو انه ركراكي يكون كيستاشر لانه يمكن ولفنا انه مع بعض المدربين اللي دازوا انه المدرب كان كيدير داكشي اللي في راسه بوحدو ركراكي شفنا مع الوداد انه كيستاشر تيدور عند المساعد ديالو تتبادل الاراء وهذا مزيان لانه غريب امزين كذلك على حساب الاكسبيريونس اللي عنده فغادي يشكل واحد قيمه مضافه للمنتخب الوطني المغربي سورتو كما قلتي انه ما واحد الفارق في السينما بين ستاف تكنيك ديال المنتخب الوطني المغربي هذه غتكون في صالح المنتخب نعم. الوطني المغربي وبالاكسبيريونس ديالهم ومتبعين ولا الجميل في الامر امين ولا متبعين المنتخب وتيعرفوا اللعابه العوده ديال بالهندرة راه يمكن نشيروا لها بيان سور موسى لو فيت كو ممبر دو ستاف لونترينور اي اسيستان ايتي Coéquipiers en équipe nationale, qu'ils aient le même âge ou qu'ils appartiennent à la même génération. Le fait qu'il n'y ait pas une grosse différence d'âge entre eux et les joueurs, est un atout ou la... un inconvénient C'est un atout, Amine, c'est clair. Déjà, ils ont joué ensemble, donc, euh, donc ils se connaissent très très bien. Ils ont continué à entretenir de bonnes relations, même après le, même après le football. Il les a choisis parce que c'est des gens qu'il connaît. Même après le football, ils ont eu de bonnes relations. Et par rapport à, comme il disait Boutou, par rapport à la différence d'âge. C'est extrêmement important avec les joueurs de maintenant. Ouais. Parce qu'il faut être au diapason de ce qu'ils font, ce qui mmh. se passe. Et donc, c'est important de les comprendre. Euh, ouais. Boudou parlait tantôt, on en a parlé, de Dekalazdas qui est entre Benzarti et les joueurs de maintenant. Mmh. Mais ça s'explique ça aussi, Amin. Ouais. Alors, messieurs, je vais vous proposer un voyage. C'est important ce que tu Et dis. Il y, y a un invité qui attend. La oui, c'est le problème qu'il a eu avec Masraoui, avec euh, Ali Lozzik. Ouais. Mais c'est par rapport à la différence d'âge, Amin. Ouais. Parce que l'autre, il était dans l'ancien temps. Ouais. Il faut boire par la force. Ouais. Nous, on avait un entraîneur qui ouais. nous disait ça. Tu veux boire, tu bois. Tu veux pas boire, tu bois. C'est très bien Amin. Cadaf courir jusqu'à mourir. Oui, donc, donc, Ada. Il est encore dans l'ancien dans système. Alors ouais. que les joueurs de maintenant, ils savent qu'ils doivent boire. Mais s'ils n'ont pas envie de boire, il ouais. ne faut pas les forcer. Voilà. C'est Atchilikene, le, le problème qu'il a eu avec les entraîneurs à Lilozic ou Mazraoui et tout ça. Ouais. Parce que, donc, et ça, il faut connaître les joueurs pour connaître le cas de Boutouzaz, hier soir, il n'a pas bien dormi. Alors je le vois, je le sais. Je dis Boutouzaz, oui. Oh, tu ne vas pas t'entraîner, tu vas faire des tours de terrain, tu vas t'étirer. Tu vas te masser et tu vas aller dormir. Parce que je sais que la veille, Boutou, il n'a pas dormi. Ouais, okay. Donc si je viens, je sais que Boutou il n'a pas dormi et que je le fasse courir et je le, fais, je le mets dans l'exercice. Il ne va rien m'apporter. Voilà. Tu connais l'anecdote Ant... amis. Tu connais l'anecdote Ancelotti avec un joueur bien. de l'EPG. Je connais. Il y a un joueur du PG qui veut... dont la femme venait d'accoucher. Donc elle a accouché, pendant deux jours il s'est absenté. Est-ce qu'il n'a pas dormi? Non, il ne s'est pas absenté pendant deux jours. Et puis arrive la liste des convoqués et le gars est en run parce qu'il n'est pas convoqué. Donc il veut avoir une explication, une explication de l'entraîneur. Et l'entraîneur mmh. lui a dit écoute, que tu pas sait, pas non, non fiston, tu vas passer une petite euh, quelques jours le week-end avec ta femme et ton fils. La famille c'est plus important qu'un match de foot et la semaine prochaine on verra. Et là. C'est ce qu'on appelle du management. Ouais, bah c'est ce qu'on appelle du management. Rudiger. c'est-à-dire Rudiger était en train de dîner chez lui. Il a débarqué à Madrid. Il va être présenté le lendemain. Qui, qui c'est qui toque à sa porte Carlo Ancelotti. Il est venu. Il a dîné avec lui. Il a discuté avec lui. Aujourd'hui, le relationnel lui ouais. est très important. Ouais, ouais. Santiago de Chile, a cher ami. On va battre tous les records. On en va fin de l'émission. On va aller au Chili, à Santiago, avec notre confrère Jorge Pelotasso. Buenas tardes. Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Todo bien. bien. Va, voy, voy a es un placer tenerte con nosotros para poder contestar algunas preguntas sobre la, la, la Roja, la selección de Chile, antes del partido del viernes contra Marruecos en Barcelona. Voy a preguntar en castellano y después traducir a nuestros oyentes en árabe. y no hay ningún problema para ti. Ningún problema. Eh, primera pregunta. Eh, Hablan en Chile del partido contra Marruecos. ¿Qué se dice en la prensa chilena? ¿Qué se dice de la selección de Marruecos que va a participar en el próximo Mundial? Bueno, lo primero es: eh, en Chile está partiendo un proceso nuevo, con un técnico nuevo, Eduardo Betizo Y en, la, en los partidos anteriores que jugó Chile, él llegó, pero la nómina ya estaba hecha, la convocatoria ya estaba mm. realizada. Por lo tanto, él solamente paró el equipo en la cancha, no decidió qué jugadores iban. Esta es su primera nómina, por ende está la, la expectativa de cómo va a funcionar este equipo con los jugadores que él eligió. Mm -hmm. y, y ante eso, el primer partido es con Marruecos. Y bueno, so, son varias cosas. Lo primero es eh, el buen presidente de la selección marroquí. Eh, tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal fueron compañero, compañeros de eh, Hakimi en el Inter de Milán, lo conocen muy bien, para la prensa chilena él es el jugador más importante del plantel por, por lo que representa, ahora eh, está en el Paris Saint Germain un gran jugador y también, bueno, acá en Chile se sigue mucho la, la liga española, por lo tanto también el presente de Youssef El Nesiri es muy, muy seguido también en el السؤال اللي طرحت هو شنو كيعرفوا المنتخب ديال المغرب واش كاين انتظارات كبيره قال بانه اول شيء هو ان الناخب الوطني ادواردو بيريسو تم التعيين ديالو مؤخرا من بعد ما تعطات لائحه بمعنى ما كانش عنده دخل في اللائحه هذا اول ماتش ديالو والمنتخب ديال تشيلي دخل مرحله جديده بعد الاقصاء ديالو من كاس العالم 2022 هذا المباراه مع المغرب كانت انتظارات كبيره بحكم انه التاريخ ديال المغرب القريب يعني التاريخ مشرف كيعرفوا لاعبين بحال اشرف حكيمي اللي كيتبعوه من خلال المتابعة البطوله الفرنسيه وبالنسبه لهم هو ابرز لاعب في المنتخب المغربي اضافه للمتابعه ديال البطوله الاسبانيه اللي كاين لاعبين اللي كيعرفوهم من خلال المباريات ديال لا بحال يوسف نصيري او ياسين بونو سي بلاد اون بارتيدو اميستوسو تشيلي با خوغار كونتر كون توداسوس استرياس اليكسي سانشيز ارتورو بيدال Pero hay un jugador de origen belgo-marroquí que se llama Nayel. ¿Qué podemos decir de ese jugador? Bueno, desde hace unos años, eh, que te diría que 10 años, a partir de, de la posibilidad de, de tener seleccionados nacidos en el extranjero, pero que son chilenos, por con la constitución, eh, en Chile cualquier hijo de chileno o chilena o nieto de chileno o chilena que hayan nacido fuera de Chile pueden tomar la nacionalidad chilena. Entonces, eh... Eh, Nayel Mesatú es la oportunidad que tiene, porque, claro, como dices tú, tiene orígenes fuera de Chile y ya fue nominado en la fecha FIFA pasada. Ahora ahora el técnico, como que el, lo importante que te hacía esta nómina, que son los jugadores elegidos por este técnico, lo revalida en la convocatoria y hay mucha expectativa con él, porque los eh, los laterales de Chile han sido los, casi, prácticamente los mismos durante 10-15 años. Uh -huh. Por un lado, Mauricio y la por la derecha. Y por la izquierda ya ambos señor, que se retiró, pero ahora está Eugenio Mena. Entonces son son chicos con mucha experiencia, ambos ganaron las Copas Américas, eh, y es quizás donde hay más falencia o más falta de jugadores. Uh -huh. eh, a diferencia de Marruecos que en, en sus laterales tienen jugadores de mucha experiencia, que son jóvenes pero de mucha experiencia. Uh -huh. Entonces hay mucho, hay mucho deseo de ver cómo rinde ahora ante buenas elecciones en el caso de nuestra كاين لاعب مغربي او من اصول مغربيه اللي تم المنادات عليه في المنتخب ديال الشيلي سميتو نايل محساتو سولته على هذا اللاعب شنو الانتظارات بالنسبه ليه وقال لك بانه القانون تغير في الشيلي واصبح امكانيه المنادات على لاعبين للوالدين ديالهم او الوالد او الوالده ديالهم شيليين واخا وخ... زايدين خارج الاراضي الشيليه هذا نايل زايد في بلجيكا من اصول مغربيه من خلال الاب ديالو كاين واحد التغيير في العقليه وفي الفلسفه ديال المنتخب الشيلي وحتى اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا في الاظهره بحال موريسيو ايسلا وبوسيجور يعني كبروا في السن فكاين واحد لو بروسيسوس ديال التغيير في المنتخب وكاين انتظارات كثيره بخصوص هذا اللاعب هذا اللي غتعطى له فرصه في هذه المواجهه امام المنتخب المغربي سي بارتي دو اميستوسو بيرو كي سي لا برينسا تشيلينا Para, eh, por ejemplo, sobre el partido, hay noticias sobre la chile selección chilena. Hay jugadores que están uh, listos, hay lesionados uh, en el plantel chileno. A ver, de las ausencias, el técnico no convocó a Claudio Bravo, es el arquero bicampeón de América, el actual jugador del Betis de España. Entonces, hay mucha duda de por qué no está él. Eh, lo mismo que Mauricio Isla, que ya está jugando de vuelta en el fútbol chileno. Pero, bueno, el técnico podría ocupar como argumento que ellos están probados en la selección. Por ende, por démosle la oportunidad a nuevas personas que muestren sus capacidades. Uh -huh. Pero la contrapregunta de inmediato de un periodista puede ser, bueno, entonces lo que llamamos a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, a Charles de Arangui, a Garimel, que sí tienen experiencia tanta como ellos. Y ahí no hay, no hay respuesta, digamos. Entonces no se sabe si esto es pasajero o hacer una constante, la ausencia sobre todo de Claudio Orado, que es muy importante en la, en la historia de la selección chilena en los últimos 15 años. Eh, lesionados no hay, no hay, y el técnico prácticamente llamó a lo mejor que tiene, a lo mejor que tiene. Lo que pasa es que Chile está viviendo un proceso de recambio, eh, y para mí al menos, no sé cómo lo vieron ustedes, que también en estas clasificaciones a Mundial van apareciendo jugadores nuevos. El recambio es natural. Yo no puedo sacar obligatoriamente a un jugador para que otro entre. Uh -huh. Tiene que ese jugador, por rendimiento, superarlo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre doy el ejemplo de Uruguay, por ejemplo, el mediocampo Uruguay en su momento, estos jugadores que fueron a tantos mundiales y que ganaron la Copa América del 2011, estaban en el medio, Arevalo Ríos, Gargano. Bueno, y ellos terminaron saliendo de su selección porque aparecieron otros, como Valverde, que hoy día está brillando en el Real Madrid, uh -huh. Tal el tipo. hizo اخر سؤال طرحت عليه هو بخصوص واش كاين اخبار على المنتخب الشيلي واش اصابات او شي مفاجات فقال المفاجاه الكبيره هو عدم المنادات على كلاوديو برافو وبشكل غير مفاجئ وبدون تبريرات أه لاعب ديال الحارس ديال فريق البيتيس الاسباني اللي فاز جوج مرات كوبا امريكا السؤال كذلك قال لك أقدر تقول ان كاين مرحله ديال التغيير والتجديد ولكن علاش تمت المنادات على فيدال وعلى اليكسي سانشيز وعلى لاعبين اخرين في الوقت اللي المنتخب كيجدد دي دماء ديالو فكاين واحد المتناقضه علما بانه هذه المرحله مرحله جديده ودائما كان تكون واحد الرغبه في المشاهده ديال اللاعبين اللي غادي ياخذوا المكانه ديالهم وغادي ينافسوا اللاعبين القدامى بحال اللي وقع في المنتخب ديال الاوروغواي اللي كانوا لاعبين بحال اريفالوريوس ولكن جاء فيدي فالفيردي وقال لهم هنا جيت هنا خديت البلاصه وثبت بانه كيستحق هذا يعني المكانه كلاعب رسمي ولاعب يعني وقف المنتخب ديال الشيلي مونتي سيماس غراسياس اميغو خورخي intentaremos dentro del de lo posible poder hablar con, contigo después del partido para poder tener tu opinión sobre el, este amistoso entre Chile y Marruecos. Vale, perfecto, no hay problema, ahí hablamos si no es este viernes que es el partido el, el próximo lunes no hay problema y, y si no hay problema, si hay un problema durante el fin de semana hablaremos el lunes es mejor hablar ah, el lunes sí. es sí, mejor hablar bien, el lunes y recordarles que es el segundo amistoso en la historia entre Chile y Camerún eh, es el segundo en se, se enfrentaron en Avignon en ¿Ah, uh, 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 una semana o 15 días antes del uh, mundial de, de Francia sí, sí Exactamente. Y hay un Exactamente. enfrentamiento Exactamente. durante los Juegos Olímpicos de, de Sídney en 2000 con Victoria chilena. También. Con Victoria chilena. También, así es. Gracias así es. Jorge. Bueno, Hasta la gracias, vista. Hasta la vista, amigo. Adiós.

بالنسبه لوليد الركراكي لا نتناقش على الشخص ولكن كره القدم الحديثه ماشي سهله لان الولد حين واصل انا اللي كان مخوفني اللي دائما هو الوقت الوقت سيذهب الوقت ما بقاش بزاف واللي تكلمت عليه هو دائما اللي كيكون تغيير في اخر الوقت فهذا حنا اللي كيزيد يخوف هو هذه التوليفه اللي غادي يبغي يوصل لها واللاعبين اللي غادي يجي واللي تخوف هو تغيير الاماكن وتغيير اللاعبين لان دائما اللي تنبغي نوصلوا لهذاك التوليفه اللي تنبغي. Il connaît le groupe, donc euh, c'est un avantage par rapport au manque de temps, comme euh, le suppose Hicham Jadran. Eh ben oui, sûr, mais que non seulement il a pas le temps, donc son avantage c'est de c'est de connaître le groupe, donc il y aura pas beaucoup de bouleversements. De, voilà, c'est surtout ça se voit même qu'on a dit tantôt par rapport aux entraînements, la joie de vivre, l'envie de s'entraîner ensemble. Voilà, l'envie d'être ensemble surtout. Donc, ça, c'est pour, pour un entraîneur, c'est clair que c'est un plus par rapport à la, et à la composition du groupe et par rapport à un groupe aussi qu'il connaît un peu. Pour quelqu'un qui vit au Qatar, il nous donne des nouvelles de l'organisation de la Coupe du Monde et évidemment de cette levée de bouclier qui se trouve très bizarrement en ce moment.

اكثر من اي وقت ما والجميل الجميل في هذا هو فريق عربي في دوله عربيه مع مع فرق اخرى عربيه حضور غيكون استثنائي ملاعب لعب فيها انا دوري ديال النجوم قطر ملاعب خياليه كانت مهمه جدا الاجواء مروعه داخل الملعب وخارج الملعب انا اقولها واكررها واعيد تكرارها

واجدين يعني الاصداء اللي تتوصلنا من قطر بان قطر اصبحت جاهزه على بعد واحد واحد المده شهرين شهرين فوالا شهرين قطر اصبحت جاهزه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي الاهم هو انه كاين واحد الجاليه كبيره جاليه مغربيه جاليه عربيه اللي غادي اللي غادي تكون وراء تشجيع ديال المنتخب الوطني المغربي كما قال سي جدران بانه غنشاهدوا كاس عالم مختلفه تماما يمكن حتى المسافه يعني ما غاديش يعني حتى الجمهور يقدر يتبع شحال ماتش في دقه واحده ويتفرج هنا ويخرج ويمشي لبلاصه اخرى يتفرج يعني ما غاتكونش ديك داك الطول المسافه يمكن امين هنا تنذكروا روسيا الوقت اللي كان المونديال في روسيا زدنا من البلاد اللي كانت المسافه اللي كبيره من لا زدنا يعني عشنا جوج ديال كؤوس العالم بشكل متناقض روسيا المسافات بين المدن كثيره وقطر تيران على بعد كل خمسة كيلومتر فوالا هادي هادي من المفارقات لا أمش... عش... س... عشنا في اكبر بلد من ناحيه المساحه في العالم لو... آه. مك... ر... 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 تشوف... ر... اللي هو روسيا وغنمشيو لاصغر بلد كانت كاس العالم يمكن اللي تعذب بزاف امين هما الصحافه الاعلام تعذبوا لانك باش دير دابا شوف دابا الحاجه الواحدة اللي تقدر تعذب فيها هي السكنه غلاء الفنادق قطر وغلاء حتى آه مع الكوب دي موند وغلاء حاجه اخرى هي انه الاماكن قليله دونك بزاف الناس غيديروا رحلات عبر دبي ويمشي مم. مم. يدوز تفرج في الماتش ويرجع تفرج في الماتش ويرجع خصك تكون عندك ديك لاكريديتاسيون كنت صحفي ولا تكون مم. عندك ديك البطاقه ديال لي بي ديالك والبطاقه ديال, ديال السوبورتير اللي هي ديك لاكارت هايا لان هي كفيله حاجه اخرى قطر غتسد الباب ابتداء من فاتح نوفمبر الى 23 ديسمبر على الزائرين ديالها تخلي دي غا الناس ديال الى ما عندكش الفيزا ديال لاكوب دي موند وعندك البطاقه ديال المشجع ديال لاكوب دي موند راه ما غايخليكش تدخل لقطر غاتجي توريست ما غاديش باش يضبطوا الامور من الناحيه الامنيه ايوا

se prépare pour les échéances les plus importantes, c'est la Cannes U23 et, chez nous. Et surtout par rapport à la relève aussi, c'est surtout ça. Donc, euh, oui, c'est un match amical en tout cas qui va être intéressant de suivre parce que euh, c'est des équipes qui préparent les Jeux olympiques et surtout aussi le, la relève par rapport, à ces, par rapport à ces deux équipes aussi. La plupart des joueurs, en tout cas sénégalais, sont tous issus de la, de la France, de la formation française, donc euh, plus quelques-uns éparpillé en tout cas au Sénégal et Yakomara aussi qui de Bergan qui fait partie de l donc, euh, voilà, la euh, Camara liste Camara, oui, Camara, oui. Camara donc, euh, donc voilà Kamara plutôt Kamara pas Komara oui la Kamara plutôt donc donc voilà il peut voilà connaît bien le Maroc pour avoir entraîné le fils d'Embamaye aussi donc euh, il a été nommé c'est sa première ça va être sa première apparition en tout cas avec cette équipe olympique du Sénégal avec de grandes ambitions, mais surtout, surtout, c'est par rapport à la relève, Amine. Je te disais tantôt, en tout cas, il y a quelques temps de cela, que euh, l'équipe du Sénégal qui venait d'être champion, euh, champion d'Afrique, l'ossature était basée de, de ce qui était aux Jeux Olympiques, à savoir Sadio Mane, à savoir 6, à savoir Ganagay, à savoir Shehu Kouyaté et tout. Je te disais que cette équipe, en 2012, ils étaient de ce qui était à la, à la, à, aux Jeux Olympiques. Donc, euh, c'est surtout, en tout cas, par rapport à ces jeunes-là de, de, de parce qu'ils ont ils sont même plus jeunes moins de 23 ans 23 hein. Amin ça y est Ada ils sont ils, certains peuvent même prétendre à des places en équipe nationale pourquoi pas donc euh, bah, c'est deux rencontres en tout cas qui vont être intéressantes à suivre mm. par rapport à euh, voilà par rapport aux, deux, aux deux, en tout cas deux équipes qui vont être sur le mm. terrain mais surtout l'envie de voir ces jeunes-là aussi dans un autre environnement et surtout la perspective aussi pour certains on sait jamais de pouvoir décrocher même une place en équipe nationale parce que, voilà, le Sénégal aussi a, a beaucoup de cas, des joueurs qui étaient titulaires pendant la Coupe d'Afrique et qui sont forfaits pour la Coupe du Monde, comme Bounassar, forfait, comme Saliou ce qui n'a plus été appelé parce qu'il n'a pas de club. Donc, euh, et beaucoup de, beaucoup de joueurs qui ne sont pas titulaires dans leur club. C'est une occasion aussi pour ces U23 de, mmh. de s'affirmer et pourquoi pas aller chipper une place à la Coupe du Monde. Ouais. Alors, le sélectionneur national U23. C'est ce qu'on a d'abord. C'est Niamout. Ah, il fait les deux Visiblement. Tu parles de la position de l'Union Européenne pour le Maroc, la Cour de l'État. Oui, pourquoi C'est un dossier qui ne concerne que la fédération et le WIDED. Oui, mais on en parle à Thier, le dossier à Comment ça se fait Dans tout le Maroc, il n'y a pas d'entraîneur. Il est au WAC et en même temps, avec les U23, si les compétitions vont se chevaucher, il va faire comment eh ben, figure... il, faut poser, il faut poser le problème. Figure-toi, figure mon cher ami, que oui. l'équipe nationale U23 va disputer le Shan. Oui. Visiblement, ce sera pendant une période de trêve. Et ensuite, il y aura les dates FIFA et la Cannes U23 qui aura lieu à la fin de la saison. Oui. Donc, je oui. pense que ça a été. Oui, c'est juin-juillet. Oui. Moi, Donc... ça a été mûrement réfléchi. Oui, visiblement. En tout cas. C'est nous, mot... le Sénégal, le problème s'est posé, mais on a dit aux entraîneurs. Il faut choisir soit le club, soit l'équipe nationale. Donc, ils ont fait leur choix. Certains sont restés dans les clubs et d'autres sont partis en équipe le nationale. Hossein Mouta nous parle des absences. Amine, tu veux pas en parler J'attends, bien sûr, qu'on m'explique du côté de la fédération. Je vois le fonctionnement. Je vois la nature du contrat de le Mouta. Amine, C'est pas, si pas un problème de, avec... de contrat. C'est un problème de choix. Il y a, tu as deux. Tu, tu peux pas courir deux lièvres à la fois. Soit c'est l'équipe nationale. Tu restes avec ton contrat. أو بيان سي لو كلوب، تي في تون ديال هذا عندها ثلاثة استحقاقات كما قلتي، الاستحقاقات مهمة اللي هي كأس إفريقيا المحليين، يعني تنوجدوا فرقة المستقبل وعندهم كوب دافريك اللي غتلعب في جوان. كاليفيكاتيف لي جوج أولمبي. فوالا اللي فيها الألعاب الأولمبية 2024 فاللي غتلعب في باريس ف. ومواد جوان يورا با دو بطولة، ولا كوب دافريك ولا شي. هادو La on, termine, la on termine la saison fin mai. Amine, le VAC le est engagé en champion de On termine la saison fin mai. Sportive heure. ici au Maroc ou là la... On termine la saison sportive fin mai. Ah, Amine, tu as des informations que je n'ai pas. J'ai un calendrier. 21h <laughs> 20 minutes. Les absences ou la CAN U23, au Amoud. الحمد لله انه الاجواء كلها طيبه باستثناء انه الوصول يعني متاخر يعني اخر جوج العناصر اللي وصلت يوم امس بالليل بالإضافة الى بعض الاصابات اصابات خاصه بعض في الدفاع ديال واحد المجموعه ديال اللاعبين خاصه منهم يعني سبول التي كنا نعول عليه يدخل المجموعه وتاقلم لانه ضيع تقريبا اخر معسكرين ما حضرش فيهم بسبب الاصابه ايضا طبعا بن طيب الذي اصبح يشارك مع التوارقه مع الاسف كنا نتمنى انه يكون ولكن اصيب من لعب جوج المقابلات كنا كنتمنوا انه يحضر هو يعني اصيب يعني هذه ربما كانت بعض الاكراهات ولكن اللاعبين كلهم اللي حاضرين كلهم يتمرنون ويتدربون بشكل جيد وكلهم متحمسون على اساس ان شاء الله أنه نحضروا بشكل جيد لهذه كاس افريقيا اللي تقام في المغرب وان شاء الله ننافس على المركز الاول ان شاء الله اقتراب موعد يعني الكان ديال اقل من 23 سنه طبعا الكل تعرف لانه كتكون اكراهات عند اللاعبين كتكون اصابات تيكون واحد العياء تيكون واحد المجموعه ديال الاكراهات وبالتالي فاحنا نحاولوا نحافظوا على واحد المجموعه موسعه ديال اللاعبين على اساس انه ان شاء الله مع اقتراب يعني الموعد المهم أه نشوفوا اللي هو اكثر جاهزيه هو اللي غادي يبدا هو اللي غادي يكون ان شاء الله ضمن الجوع ماتش اميكال غدا وماتش اميكال الاثنين مع ستة ونص توجور او كومبلكس عبد الله ريترانسمي سو راديو مارس اي فيزيبل على تيلي كاين بلال خنوس اون ان بارل سي ان جون كي فا سيرتينمون فيغ بارلي دو لوي بلال خنوس اون ليكوت Oui, c'est une fierté. J'avais le choix entre la Belgique et le Maroc et j'ai suivi mon cœur et j'ai choisi le Maroc pour représenter le Maroc. Mes grands-parents sont nés ici, toute ma famille est marocaine et j'aimerais les rendre fiers, Inch'Allah. Ouais, on joue contre le Sénégal jeudi et dimanche, je crois. On va bien préparer le match, Inch'Allah, pour essayer de gagner les deux matchs et de faire une belle performance. Bilal Khanous, 18 ans. À ah, 18 ans? 18 ans et demi. Voilà, natif du 10 mai 2004. Donc il n'a même pas fait de 18 ans et demi. Et Sofiane de Menjdida, le bourreau de beaucoup de clubs la saison dernière et qui attend de marquer son premier but avec la Raja cette saison. مباراة أمام السنغال إن شاء الله إحنا غنخدمو مزيان باش نستعدو لكأس إفريقيا وإن شاء الله إحنا ناوي هاد جوج مباراة الودية باش نكونو في تم الإستعدادات باش نخوضو كأس إفريقيا مزيان شحال هادو إحنا مجموعين مع بعضياتنا ديما كندخلو مجموعين ومتفاهمين إحنا جروب إحنا عائلة مجموعين Voilà, les joueurs de l'équipe nationale, le moral, l'ambiance, الأمور le et on verra حسين Amouta. D'habitude, ولا Amouta dit la manage des joueurs d'un certain âge. Des gens, des gens plus mûrs, footballistiquement et tactiquement, on verra. Mais il a de la bonne patte. Hein. Oui, mais ils sont plus jeunes. Mais les mois 23, c'est l'antichambre de l'équipe. La plupart des de l joueurs qui hein. jouent dans des équipes professionnelles en Belgique, à Courtrai, à Genk, à, à Saint-Etienne de... Saint et tout, ça veut dire que c'est déjà des professionnels prêts. Maintenant, il faudra voir par rapport à leur talent. Et puis, il gragué aussi aura un oeil par rapport à ces matchs-là. D'ailleurs, il a réquisitionné trois joueurs pour l'opposition contre Madagascar, parce qu'il y a l'avantage de la proximité des terrains d'entraînement et des hôtels des deux équipes au complexe même Et de les voir de plus près, surtout, par rapport peut-être à des postes où il a encore quelques doutes, ou des joueurs qui ne sont pas encore à 100% ou blessés. Donc, oui, c'est un avantage. Et c'est à ces joueurs-là aussi de... Voilà, la valeur n'attend point le nombre des années. Si c'est des jours de qualité, il n'y a pas de raison qu'ils euh, qu ne puissent pas intégrer l'équipe A. Donc, c'est pour, pour ces jeunes joueurs-là aussi de moins de 23 ans, c'est une, une chance réelle déjà d'être là en même temps que l'équipe A. Et, et voilà, d'avoir deux matchs. Donc, euh, ce qui est sur le staff technique de l'équipe A va, euh, va envoyer quelqu'un pour voir ces deux matchs-là. Donc, c'est toujours en plus pour ces joueurs-là de de pouvoir donner le meilleur de même surtout ils ont une bonne opposition de cette équipe sénégalaise que j'ai dit tantôt constituée pratiquement aussi de joueurs professionnels donc euh, donc voilà c'est c'est une bonne opposition qui va leur permettre en tout cas non seulement de de de, de savoir ce qui les attend par rapport au futur joutes et tout et surtout aussi de de pouvoir s'affirmer et confirmer même que c'est les joueurs qui ont, qui ont le droit peut-être même de frapper à la porte de l'équipe nationale. Alors, on va vous parler de la Ligue des champions féminines, c'est les barrages, et en ce moment on a les résultats des matchs allés, il y a le match et je vous dis que... Je ne vais pas donner tous les résultats, bien sûr, Renate, les résultats des clubs les plus importants. Rosenborg de Norvège a été battu par le Real Madrid 3-0. C'est normal. Victoire, le Real Madrid, de la section féminine, c'est 3 ans d'âge. PSG a battu difficilement l'équipe suédoise de Haken 2-1. Avec un but dans les dernières minutes qui permet aux Parisiens de, de partir en, en Suède avec un minimum. But de Kalidiatou Diani à la 86e minute. Visiblement à Paris on est un peu affecté par euh, ah, de, les, euh... les deux sauts de l'affaire Aminata Minata Diallo. La Roma est allée gagner face au Sparta-Prague sur le score de 2-1. Un dommage match à titre, à les plus importants. J'ai bien dit les barrages et les matchs les plus importants. Hier, la Real Sociedad s'est inclinée face au Bayern Munich, 1 but à 0. Koge Danemark a fait match 1 avec la Juventus 1 partout. Arsenal a fait match 1 avec l'Ajax 2 partout. Et les Rangers ont été battus par Benfica, 3 buts à 2. Comme quoi les sections masculines commencent à lorgner du côté du football féminin. On est d'accord ouais. Euh, Ligue des Nations euh, Moussa il y a un match qui se déroule, la deuxième division, la, euh, je dirais la catégorie B. Euh, L'Écosse mène devant la l'Ukraine 3-0. Je rappelle que c'est une revanche. Euh, L'Ukraine ayant éliminé l'Écosse en pré-barrage de la Coupe du Monde, les buts écossais ont été inscrits entre la 70e et la 87e minute. Un but de McGuin et deux buts de Dykes. Mais euh, Trubin, Karavae, Stepanenko, Yarmolenko, Moudric, pas Moudric, euh, Stepanenko cool. sont tous titulaires fin de match. Ils ont pris trois buts. Ah difficile, Lounine, le cool. gardien du Real Madrid, remplaçant. L'entraîneur est Petrakov. Euh, Zevchenko Makench qui est je ne sais pas s'il y a un lien de parenté avec le Mikhailichenko qui avait porté les couleurs du Dynamo Kiev avec l'équipe de, de l'Union oui, Soviétique oui. à la fin des années 80 et de demain Moussa les Mais matchs les plus vrai. importants de la Ligue des Nations les matchs qui nous concernent auront lieu et notamment euh, les France affiches Autriche, qui hein. concernent les adversaires de l'équipe du Maroc déjà hum la Belgique, joue contre, la Belgique le... joue contre le Pays de Galles. Ah. Il y a un duel à distance entre les Belges et les Néerlandais qui euh, lorgnent tous les deux sur la place de les playoffs. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de cette confrontation? La Belgique, euh, Pays de Galles, c'est ah, des, des matchs de répétition même pour ses, pour ses entraîneurs aussi par rapport à la Coupe du Monde à Mine. Donc euh... Euh, donc voilà, c'est surtout pour ça. Ils n'auront pas beaucoup de dettes FIFA pour pouvoir voir leurs joueurs en tout cas de très très près. Donc euh, voilà, ces matchs-là vont leur permettre surtout de ça. Et, et surtout d'avoir une idée par rapport, à, par rapport à leurs joueurs aussi. Parce que euh, la Belgique, quand tu disais tantôt, Lukaku est blessé. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont des absents aussi. Donc, comment cette équipe va se comporter sans, sans Lukaku Bien, bah, Batshuayi ouais, a Batchouaï. ce n'est pas Lukaku, Amin. C'est le jour et la nuit. Batshuayi, ce n'est pas Lukaku, Amin. Bah, Lukaku, je, je précise que la Belgique s'était inclinée lourdement face aux Pays-Bas, 4 buts 1 à domicile. Elle avait écrasé la Pologne de Lewandowski, 6 buts 1, ouais. fait match avec le Pays de Galles, un partout, et gagné en Pologne une nou nouvelle fois, 1 but à 0. Donc, c'est une Belgique sur courant alternatif. Mais. Euh, par rapport à, aux dates du mois de juin, elle récupère Thibaut Courtois qui n'avait pas disputé les, les quatre matchs. Et puis, euh, quand tu vois l'équipe de Belgique, eh ben, Courtois, qualité, mais... Mignolet sont deux gardiens qui sont. À Courtois, on ne présente plus. Hein. Défense des vétérans comme Alderweide, euh, Dendonker, Denayé, Meunier, un Denayer, Meunier, Fertongen. C'est un peu vieux quand même. Bah ouais, Denayer, mais après, terrible. tu as des jeunes comme Castagne, ouais, comme euh, Boyata. Comme, euh, Surtout le milieu, fait, le milieu de terrain Le milieu de terrain de, C'est jeune je Onana De Catellaire, Le joueur La, star, la nouvelle star de, du Milan AC Selma ouais. euh, Qui est un joueur très intéressant Tillmans. Tillmans. Et puis euh, Vanaken, De Bruyne, Witzel, euh, qui sont tous des trentenaires. Mais qualifiés, des trentenaires, ouais, mais, mais qualifié, des trentenaires avec, des, avec de la qualité, Amine. Et devant, Eden Hazard. Il y a encore des trentenaires avec <laughs> Eden Hazard, avec Dries Mertens. Hazard, ton hasard, là, lui, bon lui, hasard. lui il va accompagner l'équipe. Batchway, c'est le capitaine. <laughs> et puis euh, Openda, Trossard et Luke Ballon. À ah, devant, de même a pas. d'Origi. Bah ouais, mais, mais, mais c'est surtout Lukaku qui leur manque beaucoup. Parce que devant, c'est lui qui posait Amine sur les défenses. Donc, euh, son absence va être terrible pour cette équipe de Belgique. Mm. Bah, en tout cas, son absence n'est pas annoncée pour la Coupe du Monde. Ah, c'est euh... presque forfait. Il est forfait à la Coupe du Monde. Lui. Mm. Alors, du côté croate... Il y a la bon co... Belgique, y a cro... bah, Le premier coup à jouer, ce sera bon face à la Croatie. Coup. La Croatie <laughs> qui affronte euh, en amical également la Ligue des Nations, le Danemark. Ah. Elle avait gagné au Danemark. Les Croates avaient gagné au Danemark. Ils s'étaient inclinés à domicile devant l'Autriche 3-0, mais après ils avaient fait match nul en France, gagné au Danemark et en France. Ils avait gagné en France, hein au stade, Allez, stade de France. Euh, par rapport, euh, bon, par rapport à la Coupe du Monde, il y a quand même quelques vétérans. Guardiol euh, Lovren know, Lovren Lovren joue toujours. Vida, sont encore là. Et au milieu de terrain, c'est très technique avec Brozovic, Modric. avec Kovacic, avec Modric, avec Perisic. Ce sont tous des trentenaires. J'aimerais bien avoir ces trentenaires. Alors, les trentenaires, les trentenaires parce trentenaires, que justement, le point fort. Jeune, hein. Le point fort l'équipe de Croatie à Moussa, oui. c'est son milieu de terrain. Parce, eh ben ouais, mais parce que devant, par exemple, il y a des joueurs que tu ne connais pas. Pas Kramaric, mais euh, tout le reste, c'est des jeunes joueurs qui... Est, le, le point fort de cette équipe, c'est Kovacic, Chelsea. C'est Brozovic, Inter de Milan. C'est Perisic, Tottenham. C'est Benjamin Button, Modric. C'est Modric au Real Madrid. Amin. Et Modric, Modric cette année, contrairement à l'année dernière, où il avait tout joué en début de saison, parce que Ancelotti ne faisait pas de rotation. Ah, il n'avait pas. D'abord, il fait il... tourner. Ah ouais, D'abord, il fait tourner parce fait que. Tourner. Parce qu il y a, tu as. Mini, tu as... Tu as Kamavinga. Voilà, Kamavinga, tu as tous ces jeunes joueurs là très très bons aussi et le fait de, de les reposer va faire qu'ils vont être encore très très forts à la Coupe du Monde. Et Ousmane te dit tout le temps, dis-moi ton milieu, je te dirai ton équipe. Quand tu me parles du milieu croate avec des joueurs euh, qui, qui 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 jouent en qui jouent au Real Madrid, tu parles de Tottenham, des mais des, des milieux terrain le de qualité. Le point fort des, de la Croatie c'est ses milieux terrain. Dis-moi ton milieu, Amine, je te dirai ton équipe. Donc euh, le milieu terrain de qualité. Je dis, M Modric tu le vois encore, c'est un régal de il faut en profiter amine de voir Modric encore jouer hein, parce que lui s'il arrête le foot, c'est euh, je te promets, je te promets que cette année <laughs> je, voilà je ferai comme saut lui, pour voir Modric ah ouais, parce que il, euh, il se peut qu'on lui c'est ses dernières bord. années donc attends, il faut Alors, il faut en profiter par rapport par rapport à la presse belge, il y a le quotidien le soir qui titre euh, Diable rouge dernier réglage sur fond d'ultime espoir. Et Roberto Martinez se méfie du Pays de Galles, il faudra livrer une performance comme contre la Pologne. C'est en tout cas ce qu'il a dit, donc il ne se projette pas au-delà de ces rencontres amicales qui euh, se déroulent dans le cadre de la Ligue des Nations. Ouais, mais qui, se, qui sont des tests aussi, comme, comme disait le, la Dépêche Belge, qui sont des tests, tests aussi par rapport à, à ces équipes euh, pour, pour la Coupe du Monde qui est, qui est, qui est, qui est déjà là. Donc ils, ils savent qu'ils auront, ils auront plus assez de matchs. À livrer donc, euh, ouais, pour ces joueurs, pour ces tous ces entraîneurs là, c'est de véritables matchs Et le Pays de Galles aussi est qualifié avec ton Gareth Bale. Et dimanche, dimanche, Pays-Bas Belgique. Ah. Ah. Pays-Bas Belgique, ça, ça va nous intéresser tous les deux. Ah. La, la, la Hollande est dans le même groupe que le Sénégal. Sénégal. La Belgique avec le Maroc, ça demain, va le, les Pays-Bas se déplacent en, en Pologne. À Pays-Bas-Belgique, c'est encore mieux. Et pour, te, pour, être, pour être complet par rapport à la, à la sélection néerlandaise, hier, Louis van Gaal a fait une séance curieuse, pour le moins. C'est une séance de tir au but pour tester ses gardiens. Je te rappelle que lors de la Coupe du Monde 2014, lors d'un quart de finale de Coupe du Monde contre le Costa Rica, il avait sorti à la 120e minute son gardien. Et il a fait rentrer le remplaçant Il a gagné le match, kroll, qui est rentré à la place de Silesen, qui était en bien meilleure forme ou l'a mieux disposé pour ses tirs au but et donc il à il a gagné ce match. Il a gagné ce match. Donc euh, il a refait le coup contre l'Argentine en demi, ça n'a pas marché. Bah ouais, ils sont attentifs au moindre détail, donc euh, ils savent que maintenant toutes les équipes vont être très très prêtes, surtout par rapport à ces Coupe du Monde, donc. Euh on en a parlé ici beaucoup beaucoup de fois en disant que voilà les les maintenant c'est il faut arrêter de parler d'hasard c'est c'est très technique c'est beaucoup de sang froid c'est c'est voilà c'est beaucoup de mental donc euh, voilà il, 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 il voilà il il, 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 il c'est les les, les gens qui travaillent les moindres détails sont scrutés donc les pénalties après les le, le, après les séances ou avant même la séance on met les gardiens on essaie de tirer pour savoir Connaître les, les, voilà, les, les bons tireurs dans, le, dans un cadre de, comme dans une compétition. Parce que voilà, ils, ils savent, ça, ça risque de se jouer beaucoup de matchs, peut-être pendant les éliminations directes. Ça peut se jouer sur les tirs au but. Et il faut que le joueur il soit mentalement prêt, deux mois avant, euh, voilà, à s'exercer, à, à prendre ses repères, prendre la confiance par rapport à, par rapport à tout ça. Parce que c'est les détails maintenant, on le dit tout le temps, qui font la différence dans, par rapport aux grandes équipes. Et ça, ça, fait, ça en fait partie. Alors, je rappelle le, la suite du programme. Il y a France-Autriche avec une ah. cascade de forfaits en équipe de France. Et de problèmes aussi. L'équipe de France est très simple. <laughs> le, la, le poste d'arrière gauche, c'est le personne. remplaçant du remplaçant du remplaçant qui va jouer demain. Bah ouais, c'est Ferland Mendy. Qui était sur les. Qui était... Et ils ont dû appeler un jeune, Les, les Espoirs, pour, ah ouais. alors qu'ils avaient rappelé Digne, qui s'est avéré lui-même blessé. Donc, euh, c'est le cinquième choix ou ouais, le deuxième choix, lui bah On en parle. Milieu de terrain. Ici mais. Ni Kanté, ni Pogba Oui euh... mais eux ils, sont déjà, ils étaient déjà blessés Kanté, Pogba et tout mais Benzema n'est bon... pas là bah, Ils ont fait appel à Giroud qui revient et et qui... Justement Quand tu as fait une claque, une caresse La déclaration de Didier Deschamps Je, je, je vais m... te demander De l'écouter de de euh, Une déclaration de Didier Deschamps L'exclame Ce qu'elle veut dire Ça veut dire ce que ça veut dire Didier Deschamps reste ferme sur Giro. C'est ce qu'il a dit. Euh, je ne sais pas ce qu'il vous dit. À la limite, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les discussions que je peux avoir avec lui. Mais je sais comment ça fonctionne de tout temps entre dire et faire. Il y a un parcours. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais ça fera partie de mes réflexions dans un proche avenir. Euh, il n'a pas à me convaincre. Il sait ce que je pense. Je ne vais pas revenir là-dessus, redire des choses que j'ai dites. Historiquement par rapport au statut, il y a eu d'autres joueurs que je n'ai pas pris par rapport à leur statut et cela a fait moins de bruit. L'objectif d'Olivier est ici est de tout faire pour être performant et pour lui comme pour d'autres, il y a de la concurrence. Beaucoup de concurrence, et il y aura des choix à faire. C'est comme s'il lui fermait la porte de l'équipe de France. Non, du tout Amin. Alors là Amin, du tout, ça c'est du déchant. Il ne ferme ni la porte, il n'ouvre ni la porte par rapport à Giroud. Parce, pourquoi, que, pourquoi, attends, parce que attention, je t'explique, je donne te ah, le fond allez, du sujet. Et, déçant, euh, Giraud a promis qu'il pourrait être un remplaçant exemplaire, ben ouais. donc il a fait des appels du pied. Mais il semble qu'il est plus est... sur l'article de l'équipe, je ne fais que reprendre l'article de l'équipe, je n'ajoute euh, aucun mot. Didier Deschamps semble estimer qu'il est plus facile pour Giraud de promettre qu'il sera un remplaçant parfait que de l'être vraiment. Ben S'il ouais, est dans la peau de la doublure de Benzema voire de Mbappé, selon l'organisation, c'est clair. Amin. Si Benzema part en Coupe du Monde, on paraît indigné Giroud n'ira pas. Oui, sauf que si Benzema, il sera pas dans le groupe. Oui, sauf que si, 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 si un attaquant ou un autre se blesse aussi, la porte elle est pas elle est pas, elle est pas fermée aussi pour pour Giroud. Donc il est intelligent dans sa communication bah, descend. Il, il, tu ne peux pas le piéger ça fait longtemps capitaine partout où il est passé entraîneur donc lui au niveau de la communication il n'ouvre pas il ne ferme pas donc il sait que Giroud actuellement il a besoin de lui parce que euh, non seulement il est en, il est en forme avec 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 son équipe de Milan en plus Benzema est blessé mais en plus il sait que ça euh, sa venue quand si Benzema et si tout le groupe est au complet devant euh, il peut ne pas avoir besoin de lui parce que non, non seulement... agile. Bah, agile. Carton rouge retiré pour euh, Bouffal. Par rapport en France Oui. Ah, ça change quoi par rapport à sa sélection voilà. Ça ne change rien, mais ça lui permet de rejouer immédiatement en club. Enfin, ça lui fait un match de plus. Il a pris un carton rouge... Euh... Injuste. On va Injuste. Pour simulation. Sur une action dans la surface de réparation. C'était le deuxième carton jaune. Après visionnage des images et lecture des rapports des arbitres, on lui retire ça. Donc j'espère que notre commission des arbitres, Ils vont en notre, arriver là. notre commission de discipline, fera en sorte de, re, après visionnage, de retirer ce genre de choses quand il y a des erreurs. Ben ouais, il y en avait déjà sur le premier match Zagadir où l'attaquant a eu un, un carton jaune injustifié alors qu'il y avait faute sur lui. Il remet ça deuxième carton jaune, il se fait expulser et il joue pas le match. Le, 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 il joue pas le deuxième match contre Agadir. Donc, donc ouais, euh, je... tu re, tu je t'ai interrompu donc tu peux reprendre le fil de la discussion. Oui non mais c'est sûr par rapport à Juro Amine je, je disais que oui si, si l'attaque est au complet c'est clair que pour l'entraîneur il va pas l'appeler parce qu'il va se dire que voilà c'est un joueur qui peut il sait que c'est sa dernière Coupe du Monde il va venir et il va pourrir le groupe donc il va pas l'appeler. Par contre il ne ferme pas la porte en disant que ça peut être aussi un euh, ça peut être une roue de secours. Par rapport en tout cas à devant, il y a des joueurs qui, qui sont blessés ou qui sont, qui sont en mauvaise forme, alors que lui actuellement, il, voilà, il a fort les compteurs, il est bien avec son équipe de Milan, il marque but sur but. Et en plus, par rapport à, même à son style, c'est voilà, possible que ça peut lui encore donner des idées par rapport à un joueur qui est, qui est là, puissant, présent et qui peut faciliter un jeu direct s'il en a besoin. Donc c'est du déchant Amine. Il n'ouvre pas, il ne ferme pas la porte. Il euh, attend au bon moment pour information qui mêle le sport et euh, justice Aminata Diallo est ressorti en, en liberté provisoire mais avec obligation de ne pas quitter le do domicile de, de son père et de pointer au commissariat tous les jours et puis euh, une fois par semaine et évidemment il y aura, il y aura une caution à payer de l'ordre de 70 000 euros. Déclaration de Rérahim Himraoui avant le match contre, euh, de, de Ligue des Champions. C'était au Parc des Princes. Ce soir, j'ai peur. Ce soir, je suis soulagé. Ce soir, j'ai peur. Parce que les articles sur les, les conversations WhatsApp d'Aminato Diallo font froid dans le dos. Mmh. Rivalité entre filles. Bah, rivalité quand elle, elle débouche sur... Euh, sur la mise en danger d'une personne et peut-être la fin de sa, de sa carrière, c'est quand même très beau. Oui, entre filles, elles vont régler le problème. Elles vont régler comment le problème Il y aura un jugement, ouais, il y aura un tribunal. Bien et sûr. Euh, ben voilà, justice et tout, justice Alors, la justice, c'est tout. Alors, la composition de l'équipe de France, tu voudrais avoir une idée Pour demain. Pour la composition pour demain. Ah, il a du... Composition probable. Ménian. La Loris Forfait aussi. La Loris Forfait, oui. Klaus Koundé, Varane, Badiachile, Mendy. Donc, c'est une défense à 3, Koundé, Varane, Badiashile. Deux pistons, Klaus et Mendy. Plus Klaus que Mendy. Ah, Mendy, il va partir aussi. Hein. Il va partir, euh, il n'a pas intérêt. C'est le terme Kelem. Mendy, Mendy il quand, quand il te fait le cérou, là devant sa surface de réparation, <laughs> c'est de la folie. Il y en a les cardiaques. <laughs> milieu terrain, Chouameni, Fofana, Griezmann. Griezmann au milieu. Et, bon, milieu ou euh, demi-pointe bappé Giroud, Donc c'est un 3-4-3, griezmann bappé Giroud, Probablement. Euh, L'autre match, c'est Pologne-Pays-Bas. Pologne. pays bas Pologne. pays bas à partir de 19h45, deux le, mondialistes. Lewandowski et les autres Le Lewandowski, euh, <laughs> isolé dans la sélection de son pays. Mais ça peut être un bon duel avec, euh, avec Van Eh bien, on verra. Les Néerlandais vont gagner à l'aller. Et ouais. Les Néerlandais avaient gagné à l'aller. Tu sais, J'ai revu des images d'un match des éliminatoires de l'Euro 76. Ouais. La Pologne, troisième de la Coupe du Monde 74 face aux Pays-Bas, finaliste. Lato, Zarmatch, Dena euh, contre Cruyff euh, et compagnie. Ouais. Les Polonais ont donné une leçon à Varsovie. Ils ont pris une, le bouillon 15 jours plus tard à, à Rotterdam. 76 aussi. ils étaient dans un groupe avec l'Italie bah, c'est la très bonne génération ouais. hollande et ils étaient dans un groupe aussi avec l'Italie où il y avait euh, une génération intermédiaire avec l'arrivée des Tardelli, Antonioni et quelques vétérans comme Fabio Capello les polonais ont été éliminés au goal par les, par les hollandais Particulier. par, par les hollandais, par les hollandais. À, au retour ils, combien ils prennent combien prennent 3-0 prennent 3-0 mais ça, c'était le bon, le, le bon vieux temps. Donc, ah, euh, avec de euh, bons joueurs bon aussi de la très Pologne. Bon Pologne. Ouais, C'est comme ça que Salah est tombé amoureux de la sélection polonaise. <laughs> <C 'est rire> Pose-lui prendre... le, euh, le poste de lato, il, il sera ah, incapable de, de te le dire. Non, mais lui, il va chercher des équipes que personne ne parle, lui, il adore ça. Les équipes où on, on, par, on parle moins, mais qui sont là présents dans le jeu. Et parfois, il... Voilà, il... Allez. Question pour ça, avant de nous quitter. Pour International polonais. J'ai disputé deux Coupes du Monde. J'ai ensuite entraîné en France, en Tunisie, au Maroc, au Mali. Ah, bah voilà. Kasperzak mot 21h55 minutes. <laughs> C'était au FC Metz qui avait éliminé le FC Barcelone en, au premier tour de la Coupe des coupes avec un Bocandé, soufflant et, et, et Tony Kurbos. Kurbos, Castanet, Castanet, Ror, le, le blond, ouais. Mahu, Bocandé qui a fait un match exceptionnel au Saint-Symphorien, 4-2 et ils ont gagné au Nou 4 buts doublé de Et, et de... l'entraîneur de cette équipe du Barça s'appelait Terry Balaga. Venables. 21h55 minutes c'est culture faute donc euh, on est pédant qu'on te elle a les auditeurs mais en... ça nous fait plaisir que qu aient même temps, quelques beaucoup, informations beaucoup de tranquillité aussi par rapport à, aux informations et tout Moi c'est Harbert <تص gutific filtrate> شوف حنا ما كنتخربقوش وما باغيين نخربقوا حتى برنامج 21 و 56 مينوت اون كيد ميرسي صلاح تبارك الله عليك